Yo les potes, comment ça va? On se retrouve pour cette petite vidéo pour voir ensemble ma nouvelle trottinette. Je vous ai demandé sur les réseaux sociaux de choisir entre mes différentes pièces pour monter ma nouvelle trottinette. Yo les potes, comment ça va? J'ai besoin de votre aide les gars. Je vais monter ma nouvelle trotte et il faut que je choisisse entre mes différentes pièces. Quelle barre prendre, quelle roue prendre, quel jeu de direction prendre. Vous allez m'aider, je vous fais confiance dans les sondages juste après. Quelle barre, quelle roue, quel GDD, bref, quelle couleur prendre. Et forcément, je vous ai écouté et ensemble, maintenant, on va monter ma nouvelle trotte avec les pièces que vous avez choisies. Bon, donc on est chez moi, hein, je vais pas m'attarder sur ça, c'est une cuisine. On va faire ça ici parce que dehors, même s'il y a du soleil, il fait un peu froid. Puis j'ai pas envie de faire ça là, comme si je faisais avec la cuisine, mais je vais faire de la cuisine avec ma trotte. Bref, je remercie en tout cas mes sponsors Striker Scooter Parts et Centrano, Nomad Shop, S1. Bon, bien sûr, il n'y a pas de S1, c'est une trotte, mais pour les casques, c'est cool. Et Kagang Merch, ma marque, les gars, les grips. Toujours là présent. Merci beaucoup à eux parce que c'est grâce à eux que je peux faire cette trotte aujourd'hui. Et donc let's go, on va la monter sans plus attendre. Alors juste avant de commencer, je vais vous montrer mon ancienne trotte, elle est juste là. Donc le grip, voilà, vous voyez, il commence à être un peu fatigué, assez usé. Donc on est sur un Tony Castillo que je vais garder parce que j'adore ce deck, il est pas encore abîmé, donc je le garde. Qu'en fait, oui, pourquoi je fais cette vidéo, je vous ai même pas expliqué. Bientôt, normalement, je vais passer à la télé, je sais pas trop où, quand, comment, pourquoi. Mais on m'a demandé d'avoir une trotte et parce que sûrement ils me poseront des questions. Donc il faut que ma trotte elle soit 100%. Bah avec les marques de mes sponsors. Et actuellement je voulais tester des trucs où tout simplement j'avais pas les pièces dispo de mes sponsors. En attendant j'ai mis d'autres pièces. Donc ce que je vais faire c'est que sur cette trotte je vais garder le deck. Tout le reste je vais le changer par des pièces neuves de mes sponsors. Donc vous savez quoi, sans plus attendre on va regarder en story ce que vous avez décidé comme pièce que je dois mettre sur ma trottinette. On ouvre Instagram. D'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné, allez ici. Je poste vraiment tous les jours des stories, des trucs. Et si vous voulez encore plus de contenu tous les jours, et vous allez simplement voir TikTok en même temps et c'est carré. Ici aussi. Donc je vous ai demandé de choisir entre ces roues là, c'est les nouvelles roues Gravis ou les anciennes roues Striker, voilà les full core en noir chrome. 61% de prendre les chrome black, ce qui est très bien parce que c'est celle que je voulais mettre. Ensuite j'avais demandé entre les deux jeux de direction qui sont là, noir ou gris. Et logiquement vous avez dû dire noir, t'as choisi les roues noires avant, après tu prends les roues noires, enfin le jeu de direction noir. Donc 65% jeu de direction noir. Et ensuite je vous demandais entre la barre titane néochrome ou la barre titane chrome black, laquelle prendre. J'avoue j'ai un peu forcé, j'ai demandé que vous choisissiez le noir, mais je suis sûr qu'en vrai vous vouliez que je prenne le noir parce que ça paraît logique, c'est exactement la même couleur que les roues. Et donc à 61% vous avez choisi la barre titane noire NMD. On va monter tout ça ensemble et c'est parti. Je démonte l'ancienne trotte et on monte la nouvelle. Bien sûr les gars, je vous l'ai pas dit, mais ensuite on ira tester tout ça sur le skatepark parce que Alors les gars, on va commencer par mettre un nouveau grip parce que lui voilà il commence à être un peu mort et il est surtout dégueulasse, je déteste ça, avoir des grips sales. Démonte le frein, je mets le nouveau grip, ensuite on passe à la suite des pièces. Bon, je sais qu'on est en contre-jour, mais ça va, vous voyez bien, normalement, ouais, j'aime bien la prise de vue. On passe donc au nouveau grip. J'ai choisi un grip Kagang blanc. Je pense que vous pouvez en trouver encore quelques-uns chez Nomad Shop. Je le mets comme ça avec le Kagang devant vers ici. Et bim. Bon, maintenant, on va passer à roue arrière, fourche, roue avant, jeu de direction. Donc, jeu de direction noir, roue arrière, roue avant, chrome black, full core 110. La fourche, si je me trompe pas, j'en ai une chrome black aussi. Je vais aller voir ça, de toute façon, je vous filme. Alors, j'ai trouvé la fourche, elle est pas chrome black, en fait, elle est noir mat. C'est la nouvelle fourche Gravis, elle est très, très, très jolie. Très basique, mais très jolie. D'accord. Oh là là. Vous voyez le truc pour l'écrou, comme ça, pas besoin de comment on appelle ça là. Vas-y, j'ai pas mes mots les gars, ça m'a saoulé, bref. J'ai un SCS Striker qui a l'air d'être vraiment mieux que ceux d'avant. Dans mon sac. Donc, c'est le Gravis aussi, hein, tout simplement. J'ai même pas besoin de mettre de Pacer. Bon, je mets la roue arrière, le frein, je vise tout. Et on se retrouve pour mettre la barre titane. Regardez-moi ça, c'est déjà magnifique. Tout en sobriété, noir et blanc, chrome. Et ben il me reste plus qu'à mettre cette barre là les gars. Là on voit qu'elle est néochrome, c'est trop chelou. Mais en fait elle est noire chrome. Donc en vrai c'est galère à filmer, donc je vais la mettre. Et on se retrouve pour le reveal. Au skatepark. Yo l'équipe, je cut la vidéo pendant 30 petites secondes pour vous parler du sponsor de cette vidéo. Ça n'a rien à voir avec la vidéo parce que je me suis un peu cafouillé sur mon planning. Mais je vous parlais de Online Marque, de lumière pour vélo, trottinette électrique, trottinette freestyle. Pour rentrer par exemple tard du skatepark dans la nuit. Sachez que du 24 au 29 novembre 2021, c'est leur Black Friday, il y a des énormes réductions. Comme par exemple sur la lumière RN3500 que j'utilise moi sur mon vélo de course. Qui éclaire extrêmement long à 350 mètres et qui passe à 50% de son prix habituel. En plus de ça, avec le code KILIAN10, vous avez 10%
100% supplémentaires sur tout le site. Et en plus, pour toute commande de plus de 13€, vous avez un cadeau gratuit. Donc n'hésitez pas à aller voir le lien en description si vous avez besoin de lumière, c'est ultra important avec l'hiver qui arrive. Allez, on continue cette vidéo et on va découvrir ma nouvelle trottinette. Les gars, on se retrouve comme promis au skatepark de Gramont, qu'on vous a présenté d'ailleurs en vidéo avec Camille. Ça se passe ici si vous n'avez pas vu la vidéo. Et qui on retrouve encore une fois? Eh bah Camille, parce que forcément, il est au skatepark celui-là. Il y a qui? Regardez, regardez. Lui, je sais même plus quelle nationalité il est. S'il est anglais, français, suisse, il va tellement partout en ce moment. C'est espagnol même, non? Pablo, pourquoi espagnol? On n'entend pas. Regarde, et dès qu'il y a la caméra, il s'enfuit. On va tester ce petit setup là, j'ai déjà un peu roulé, c'est grave stylé. Ça me fait super bizarre de revenir au 110 mm. En même temps, c'est ultra vif. Tu mettrais quelle note toi, Camille, sur le setup là? 9 sur 10 parce que je trouve que la barre, c'est pas la même couleur que le Red Dead. C'est vrai qu'il y a un reflet genre néochrome bizarre. On le voit là. Ça c'est beau, ça fait un reflet rose bizarre. Mais là, c'est pas beau, ça fait un reflet vert. Tu mettrais quelle note alors? 6. Normal, ça aurait été incroyable. Bah oui, ce que j'ai dit. Ou à la limite, tout noir en néochrome avec. Ouais, mais là, regarde, c'est quoi le but? C'est que ça fasse un, un rappel avec ça. Non, parce que les voiles sont vraiment noires brillantes. Ils m'ont fatigué. C'est quoi, regarde? Tu prends la trotte, tu tiens avec, tu fais un flair, j'accepte ta note. Pour combien il fait une chute, les gars? Pour combien? Pour combien? Ça va faire une chute ou pas? Quoi qu'il s'est raidé. Pas. Bizarre, non? Je comprends rien à ce qu'il dit, gros. Je comprends rien à ce qu'il dit. Vous avez compris, vous? Ça m'étonnerait qu'il soit allé jusqu'au Maroc pour aller chercher son téléphone. Ou alors il aurait fait un vlog à la limite. Vlog, je retrouve mon téléphone. Et il est usant. Ta vie, elle doit être nulle, hein, pour être aussi chiant. Bon, j'arrête cette séquence, elle m'a fatigué. Elle va être chiante à monter. Ça m'a saoulé. Préféré. À la base, c'était une vidéo où on aurait dû me voir tester ma trotte. Wow. Je me suis éclaté. Bah désolé Camille. Ça fait un tout petit peu. Ouais, moi aussi j'ai un peu mal, je suis désolé. Tu veux vous faire un autre tricks? Ouais, vas-y, c'est bon, c'est parti. Ça sent la fin de journée, les gars. J'avoue, il a lancé un débat. Répondez en commentaire. Quelle marque en gros? Striker? Genre la vieille marque, je connais pas trop là. Je crois que c'est Fusion. Excusez-moi. Si on va dans l'espace avec. Fusion ou Apex Camille? Répondez en commentaire. Kylian Striker, Timon Fusion ou Camille Apex? Et sans plus attendre, je vais faire quelques tricks pour clôturer cette vidéo. Je serai backdrop sur la mousse. Ah, Benjamin Fillon. Ou pas flip. C'est reparti. Ça fait. Elias, tu le fais. Et Elias, qu'il fait? Oula. Bref, les amis, cette vidéo est beaucoup trop longue, ne devait pas durer aussi longtemps. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez kiffé ma trotte. N'hésitez pas à la noter sur 10 en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner si c'était pas déjà fait. Allez, photo tous les gens qui sont là. Et moi je vous dis à très vite, ciao les potes et bon ride.